Bon, maintenant, nous allons savoir si nous gagnons un prix à l'échelon 125. Ka-ching! Voici 2000 pièces, comme j'aurais pu m'en douter. Bonjour et bienvenue à tous. Oh, ben maintenant, le carreau est rendu au niveau 150 de comparaison de QRM. Bon, là, je l'ai testé pour voir à quoi que ça va de l'air sans système. Puis pour vous dire, ben, ce n'est pas possible de réussir à la 20 sans système, puisqu'il y a un Pokémon ennemi qui s'ajoute. Alors, ce serait vraiment important d'utiliser le Pokémon moins 1. Puissance plus aussi, rotor d'entrave, côté qui lance des entraves. Et je vais utiliser un temps plus 10 pour que le rotor d'entrave dure 10 secondes de plus. Vu que c'est 50 secondes, ben non, c'est pas ça. Vu que le temps normal c'est 50 secondes, puis si je décide de pas utiliser temps plus 10, ben j'aurai avant que Kuron décide de lancer d'autres entraves, ça va être 25 secondes plus tard. Tandis que je les utilise un temps plus 10, ça va être 30 secondes plus tard. Donc 5 secondes de plus. Sans qu'il me lance une entrave qu'il y aurait. Mais regardez pas, regardez pour plus tard. J'utilise toujours la formation que j'ai présentement. Et voilà, Kyurem est battu. Il faut environ au moins 31 000 HP. À lui enlever. Et voilà, comme récompense, un méga turbo. Ok. Bon, ben, prochain objectif, l'échelon 200. On se rejoindra pour la suite.